Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Oscur pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui parce qu'il y a la voix du symbiote 3. Eh oui. D'ailleurs je dois réclamer ça. Yes! Let's go! Il y a une boutique. Il y a une boutique aussi, je sais. Oh génial. Alors ça c'est pour autre chose, hein. Ça c'est pour plus tard. Ça, hein. Cet ornement de la légende secrète dans certaines exotiques. Nommé l'Exenes du Gevex, ce sera pour un raid. Le raid qui vient d'arriver. C'est dégueulasse. Tac. Ah oui. La cérémonie d'initiation. Stylé. Ça, c'est de la merde. Ah là. Incroyable. C'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est ok. Et. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. On va le dire. Il faut le dire quand ça l'est. Et j'ai tous les revêtements. Ok, parfait. Tac, tac. Un engramme. Parfait. Et il y a ça aussi. Je vais baisser hein, légèrement le son du jeu. Voilà. Je suis pas sûr à chaque fois si ça marche vraiment ou pas, si c'est bien équilibré. Donc je fais ça un peu à l'aveugle. Enfin non, pas vraiment. J'ai un peu les volumes qui se lancent, mais voilà, c'est pas incroyable non plus. Donc allons-y, je crois que c'est ça hein, qu'il faut que je fasse. Hein. Ouais, c'est ça. Je vais en profiter également pour regarder un petit peu où est-ce qu'on en est. Donc pour l'instant, ah, on est sur le El Famoso armure de la saison des élus. J'ai eu une interaction de type salut militaire absurde. Incroyable, hein, vraiment, décidément. On est vraiment sur des trucs géniaux, hein, là. Ah. Ah, mon cœur balance. Hein. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah génial, un engramme. Putain, décidément, on a beaucoup d'armes de merde. Hein. Putain, 1300. Ah, c'est mieux que celui-là. Génial. Healer. Nya. Bien vu ça. Consacrer leur réseau. Purifiez-le. L'évêque essaieront de vous arrêter. Mais vous n'êtes pas du genre à vous laisser faire. Putain, il met 1000 ans lui à arrêter de parler. Bref. Bon. Mithrax vous accueille avec l'annonce de son alliance officielle avec l'extrême droite. Osiris a donné l'ordre à Mithrax de partager ses données Vex avec l'extrême droite et il a accepté, bien qu'il vous avoue que les exos le mettent mal à l'aise. Il a entendu ses transmissions et sait qu'elle se méfie des Elixni, mais il est persuadé qu'en travaillant avec eux, elle va comprendre qu'ils se battent pour le même avenir. Ça peut lui montrer que nous sommes alliés, explique-t-il. Je lui donnerai tout ce qu'elle demande. Génial. Mithrax a compilé les données que vous lui avez portées. Il a découvert un nouveau passage dans le domaine Vex. Si vous demandez d'y entrer, d'épurer le réseau de l'intérieur et de le purifier avec votre lumière pour qu'il s'écroule sur les Vex. C'est parti. Génial, il faut que je charge mon gantelet. En éliminant des cibles dans les assauts Gambit, épreuves et événements publics. Et ben génial. Les lasers. Les défenses. Vous infligez jamais un point. Ça, je m'en fous. Ça, je suis trop fort. Combattant éliminé en désordre. Oui, ça, c'est stylé. Par contre, peut-être le mettre. Je m'en fous. Ça pourrait être intéressant, mais ouais. Les terres. Surtout que c'est ce que je dois gagner, donc parfait. Bon.
Il y a cette part. On va faire un assaut. Est-ce qu'il y a des nouveaux assauts là récemment J'ai aucune idée. 37 sur 50, je sais pas si je vais en avoir 13 en un seul coup. Tac. J'ai combien? Ah oui, c'est vrai que j'en ai 37. Ah oui, c'est ça, ok. Oui, c'est bon, je m'en rappelle maintenant. J'aurais dû lui en garder un peu d'ailleurs. Bon. Ça, c'est Maître Raoul. Mais d'ailleurs, j'ai combien d'engrammes au total? Ah! Ok. D'accord. Ah, mais j'ai des données cryptées. Alors, déjà, on va pouvoir ouvrir des coffres. Alors. Allez, ouvrons ces armes du culte de la guerre future, je veux dire. Il n'y a aucun moyen. Enfin, les armes qui sont d'extrême droite sont connues pour faire plus de dégâts. Elles sont plus offensives. Voilà. Alors. Le déicide. Stylé, lui, dis donc. Par contre, tir de glisse et obstination, c'est pas incroyable. Quoique, allez, à la limite. Ça, c'est quoi, ça? Ouais, c'est pas ouf. Et ça, c'est pas ouf aussi. Bon, bah, génial. Est-ce que c'est mieux que ce que j'ai? Non. Allez, hop, on s'en va. Lui, il est meilleur. Génial. Et d'ailleurs, il est meilleur que lui aussi, d'ailleurs. Hop. Là, c'est vraiment de la merde. Décidément, j'ai pas mal de caca, hein. C'est génial. Là. Hop, voilà. Voilà. 1309. Au revoir. Ok, au revoir. Ah, mais si j'ai 10 là, putain. Incroyable. Ok, et là il manque ça. Alors 6, 9. Putain, pourquoi j'ai eu 6 et 9 alors que j'ai eu 9 avant, je veux dire. Bref. Ok, bon, parfait. On augmente lentement, mais sûrement, hein, mine de rien. Tac. Déjà, la pièce maîtresse, j'ai pas besoin d'avoir autre chose. Tac. Au revoir. C'est déjà le 310. Ok, parfait. Bon, est-ce qu'on garde la lame de l'aube? On va voir la doctrine, peut-être. Qu'est-ce qu'il nous faut? Ah oui, alors du coup, l'assaut de l'avant-garde. Mais du coup, j'ai un peu la flemme de lancer un assaut comme ça pour aucune raison, alors que je pourrais vous montrer des assauts qu'on n'a pas encore fait en vidéo, j'ai envie de dire. Le Cosmodrome, il y a quoi? C'est vrai qu'il y a Navota. Et ça, on l'avait déjà fait de Milan. Il y a le sabre et il y a le repère des diables. Le repère des diables, je crois qu'on l'a fait. Par contre, le sabre, je crois qu'on l'a pas fait. Donc c'est parti. Et au pire, si on l'a pas fait, enfin si on l'a déjà fait, bah, pas de chance. Merde. Il est sympa en vrai ce petit sabre. Il y a quelques phases un peu chiantes, mais il est sympa. J'en suis où dans les défis? Est-ce que je dois toujours tuer des gens avec des... Alors, fusil impulsion, ok. Pistolet, il faut que je continue. Et ensuite, c'est le fusil automatique. D'accord, donc on va garder comme ça. On va garder notre layout habituel. Et on va donc passer plus de temps à relooker notre personnage. Notamment à lui redonner son look stylé, faisait sa gloire passée et présente. Voilà. Si ça c'est pas le style incroyable, c'est un déchu. Est-ce qu'il n'y a pas même moyen de le rendre meilleur, notamment au niveau des jambes? Hein, ça c'est sympa ça. Ça pas ouf parce que ça se voit pas trop avec les autres. Peut-être un peu trop chevaleresque. Nul. Non, ça... Ok. On va regarder celui-là. Ça peut être intéressant. Nous avons intercepté un puissant signal envoyé depuis la côte, près du cosmodrome. C'est Rasputin, l'esprit tutélaire. Bah oui. Je crois que c'est un signal. Sacré Rasputin. Ça serait vraiment dommage de le perdre. Il reste si peu d'admirateurs de ballet russe en ce monde. J'avoue, ce serait dommage. Pas comme s'il pourrait nous aider à détruire le Tout-Puissant, quoi. Non, mais je sais, c'est Destiny 1, mais bon, voilà, c'est... Disons qu'on n'avait pas encore fini avec Rasputin, quand on a fait cet assaut.
Allez. C'est type A. On ne peut pas se permettre de revivre ce qu'on a subi avec Omnigule. Allez-y, évalue la situation et aidez. Oh ouais, je dis ça, je sais même plus. Est-ce que c'est vraiment ce qui était dans Destiny 1 ou pas? Je sais tellement plus. La cité aussi. Je crois que c'est le cas. Je crois qu'en effet c'était pas un, c'est pas un nouvel assaut. Entre guillemets. Par contre je suis vraiment tout seul. Incroyable. Il y a vraiment personne sur Destiny, vous savez, vraiment c'est vraiment un dead game. Fait par Bungie, Small Indie Company bien sûr. Ah. Dommage qu'il y ait un mec qui soit en train de faire de la poterie en même temps qu'il parle, parce que franchement sinon on comprendrait vachement mieux si on se parle en russe. Ici là je crois non. Ouais c'est ça. Alors j'étais un peu derrière quand même. J'étais un peu derrière, j'étais un peu devant quoi. Ça me touchait pas vraiment quoi. En gros. Je veux pas commencer à faire la mauvaise foi mais je sais pas vraiment quoi. En gros. Tac, ok. Ah mais ça y est, il y a un mec qui arrive. Génial. J'ai changé de mode daltonien. Histoire de voir un petit peu, vous savez, comme ça. Donc là, on est reparti sur un truc alors qu'il va avoir les couleurs un petit peu plus vives. Il faut que je te ferme ta gueule, toi, c'est ça. Hein. Et j'ai pas vraiment les armes pour ça. Alors déjà, il faut que je tire dessus. J'ai deux buts dans la vie avec le don du voyageur, mes couilles. C'est un, tuer des ennemis avec, et deux, survivre. Alors vous allez me dire quelle est la différence avec le mode normal. Eh bien c'est que l'échec est encore moins toléré. Allez cher. Voilà. Et l'avantage que vous voyez là c'est que vraiment on m'en fout. Quoi. Ta gueule, voilà. Alors attends deux secondes mec, il y a des engrammes. Allez, sale merde. Aïe. Ah mais on va me canarder les couilles tout le temps là, toute ma vie. Oh toi tu vas venir. Toi aussi tu vas venir. Oh toi aussi. Ah putain. Fuck. Bon. Après aussi, il y a aussi le fait que je sois tout seul quoi. Pourquoi tout le monde est japonais ici? Bon, non, en vrai, ils sont pas tous japonais, je crois que c'est des chinois. Chinoise. Il y avait vraiment personne à spawn? Bref. Heureusement qu'il accélérait pas encore, sinon je me serais encore fait écraser, je pense. Ah mais non, mais j'ai pas besoin d'utiliser le... Oui, j'ai pas besoin d'utiliser des pistolets plus machin quand on est pas dans le mode... On va tester ce... De déicide avant de le supprimer parce qu'il est pas assez fort. Alors comment est-ce que ça y est, ils l'ont buté, ça y est, incroyable. Ça c'est des gens qui s'y assistent en façon, ils viennent préparer, pas comme moi qui fais n'importe quoi là avec mes épées. Hop, voilà, à tout de suite. Quand on est le bon nom pour un assaut, c'est facile. Ah c'est bizarre. Vraiment, je comprends pas pourquoi est-ce que c'est devenu beaucoup plus simple. Faudrait une dernière, un dernier déchu. Là, vraiment, c'est un déchu. Bon, mais oui, pas les Elixni, bien sûr. Les Elixni sont nos potes, pas les déchus. Ça y est, on a les 10 charges. De lumière assemblée. Il me faut encore un peu de temps. J'ai l'impression que Rasputin essaie de me tester. Ouais, bien sûr. Il a que ça à foutre de nous tester, Rasputin. Là, ils vont bien évidemment détruire leur canon. On va le regarder. En vrai, c'est pas si long. Ils n'ont pas une si grosse santé en vrai. Putain, mais... J'aurais pu les détruire juste en tirant dessus. Je crois que j'avais juste le souvenir d'une fois où j'avais fait l'assaut dans une difficulté supérieure et où ça avait mis genre 1000 ans. Heure, de loin. Donnez-moi ce flingue qui resplendit à travers le ciel bleu de cette ancienne Russie. On est vraiment en Russie, hein, ça se voit d'ailleurs.
Allez. Voilà. C'est vraiment plus simple en fait. Hein. Tout de suite, on se fait pas canarder par les. Par les putains de connards de vaisseaux. Désolé pour ma vulgarité, mais ils méritent un peu. C'est pas moi qui le dis, c'est les infos. C'est bon, on peut y aller. J'ai les codes d'accès. Parfait. C'est par là, non? Oh. Non, c'est pas par là. C'est trop loin encore. Là. Et regardez le pauvre. Il y a des démons à droite, à sa droite, en train de faire. Pendant qu'il parle. Forcément, on comprend pas. Allez. Oh putain, fuck. C'est quand même incroyable. Bonjour. 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 Donc il y en a du monde ici. Hein. Allô ? On passe pas devant les gens comme ça ? Tu vas faire la queue comme tout le monde ? Allez. Et meurt. Oh ! La roulette. La roulade. Le faker. Ça y est. Faut faire un truc là ou pas ? Non, c'est là-bas. Putain, je le savais. Par là, c'est bien là. Je pourrais essayer de neutraliser le verrouillage système. Maintenant, c'est de l'autre côté, c'est ça. Il doit y avoir un autre. Alors, il faut juste tirer là-dessus. Ah, je voulais pas aller là. What? Mais non, mais what? Pourquoi? Ah, j'ai dû appuyer sur 4 et 3 et du coup, ça m'a mis sur l'épée et comme je suis un connard, je sais pas réagir. Ah, t'imagines, t'es niveau 75 déjà, putain. Ça, c'est le grind, ça. Ça, c'est la classe. Dépêchons-nous. Hop. Eux, ça se voit, ils tryhardent tout le temps dans la vie de tous les jours. C'est vraiment des tryharders. Toujours à aller plus loin, toujours à aller plus haut. Des sources d'inspiration pour leurs proches. C'est tellement des tryharders, ils boivent du chocolat froid parce que le chaud quand même ça prend du temps. Et moi je suis si rapide. Je suis si rapide. Ok, je passe. Je décide d'utiliser le. Ok, c'est bon. Je crois que ça passe. Ta mère la pute. C'est bon. J'ai survécu. C'est bon. Oh, j'ai failli crever, mais c'est bien. Ça va. C'est crevé en plus au tout dernier éclair, quoi. Vraiment la vie de merde. Bonjour. Sale merde. Et paf. Désolé. J'ai commencé à jouer à Dying Light. C'est un réflexe maintenant. Quand je suis contre un ennemi et que je lui mets un gros coup sa mère, j'ai envie de l'insulter. Ça va comme. Elle le meilleur sardoche. Honneur. Non. Je sais pas, j'ai l'impression que je fais plus de dégâts quand je les insulte, quand je les frappe en même temps. Je sais pas. Je crois que c'est utiliser la propulsion du saut et pour ensuite se dasher pour pouvoir plus rapidement arriver sur le sol. C'est comme une sorte de wave dash. Sale merde. Putain. Je sais pas. En plus, si ça se trouve, il y a une désynchronisation audio entre légère, genre de. Allez, on va dire 0,3 millisecondes, un truc comme ça. Peut-être que je l'ai pas paramétré sur OBS, mais je sais pas, faudrait que je vois. J'espère qu'il n'y a pas ça. Parce que comme ça, vous pourrez m'entendre dire exactement au bon moment sale merde. Et ça, ça n'a pas de prix. Il faut vraiment que j'améliore mon. Deuxième saut, parce que le premier saut, ouais, banger. J'ai tellement un banger que je garde l'inertie après. J'ai rien pour attaquer de loin aussi. Ça, c'est une faille dans mon mine. Connard. Maintenant, c'est un réflexe, hein, c'est ouf.
Putain, la vidéo qui va être interdite au moins 18 ans, quoi. Ce connecteur a été modifié pour pirater le système. Abattons-le. Ah. Sale merde. Et c'est pire, c'est surtout quand je tire avec des... Pas vraiment justement quand je tire, mais justement quand je... Quand je fais des attaques de mêlée. Que vraiment là, ça me donne envie de tout casser. On n'aura qu'à dire que c'est Rasputin qui est vénère, tout le temps vénère avec son... En parlant en russe là. Oh ça, toi je vais défoncer la gueule. Ah et donc c'est bien ça hein. C'est bien ce qui me semblait hein. Cette épée d'arcaniste est donc la seule épée arcaniste à vortex. Enfin, la seule épée à vortex solaire. Et pas abyssal, c'est de la guillotine actionnée. Est-ce que ça veut dire que c'est une meilleure arme que l'autre? Bon. Mais stylé. Bon, autant utiliser une armure, enfin une arme qui est. Que seuls les arcanistes peuvent utiliser, même si c'est moins bien. Pour la méta. Viens là, sale merde. Oh fuck. Bien. Ah bon, mais il m'a autre chose. Ça va, ils vont le tuer et puis ils vont me raise après. Il y a 0% de chance qu'il meure alors qu'il faut me raise quoi. Ça va, c'est bon. Ah bah si, il est mort. Oh, une exotique. Le bras soleil, génial. Les vulnérabilités sont inquiétantes. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé de contacter Rasputin et de lui dire que nous sommes... Alors ça, par contre, ça c'est stylé. Le bras soleil. Nous avons envoyé une escouade il y a plusieurs années. Alors. Nous avions retrouvé leur corps. 61, ça va en vrai. Ouais, c'est comme l'esprit des éons. Je vois. En attendant, je peux envoyer une équipe pour condamner. Très stylé. Bon, par contre, ouais, c'est un peu nul d'avoir l'affinité en. Très bon travail. Voilà. Pour l'avoir comme ça. Voilà. 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 Comme ça. Pour en mettre des trucs de type pistolet. Et automatique. Voilà. Ça c'est de la merde. Hop, voilà. Bon. Est-ce qu'on a eu suffisamment de... Je tourne mes couilles. Ou alors c'est vraiment les assauts du programme et je me suis fait cuck. Non, c'est bon, parfait. J'ai eu peur, je vais pas vous le cacher. C'est parti. Nouvelle étape. Coffre déloqué, donc mission de surcharge. Le pistolet est là. Mais d'ailleurs, juste d'avant... Voilà. Il est là. Le raid, le caveau de verre. Avec la partie guidée. Aussi, mais ouais. Le caveau de verre. Bon, ok. C'est peut-être plus stylé... En anglais, mais merde, Vogel. Du coup, la discipline. Bien évidemment, les 100 de discipline. 32 secondes pour la grenade. Bien évidemment, autant créer les dégâts continus. Mais du coup, alors, il faudrait... Oui, en fait, c'est ça. L'optimal, ce serait d'avoir... Ça, c'est bien les frags de mêlée. C'est ça, les frags de mêlée solaire qui donnent... Moult grenades solaires pendant une période limitée, ce qui fait que bras soleil fonctionne vachement bien avec comment il s'appelle, avec le comment il s'appelle, putain de merde enculé, Monte Carlo, c'est ça, Monte Carlo. Regardez, c'est la côte enchevêtrée. Certaines choses comme détruire ses vex, récolter leurs données et anéantir leur réseau. Bien vu. Fuck free. Allez, c'est parti. Free qui est officiellement d'ailleurs le réseau des Vex. Hein. C'est dans le lore. C'est pas moi qui fais les règles. Hop. Tac. Ah. Et ya. Bon. Attends, ça marche? Non, c'est non, j'ai eu peur. J'ai entendu un bruit, j'étais en mode. Attends, mais s'il est. Si les frags de mêlée de base comme ça, ça réactualise vraiment l'arme. Enfin, ça... On arrête l'équilibrage quoi. Ah! Génial. Ah. Let's go, je rentre par derrière dans le portail. Ça, ça c'est la puissance.
Ah mais du coup ce serait vachement mieux que... Bah oui, c'est vachement mieux que à la place de mettre la discipline, je mette autre chose. Excusez-moi, je vous ai demandé vous ? Non, je vous ai rien demandé. Non, s'il vous plaît. Oh, j'ai pas eu le temps, le coup de grâce, putain, quelle horreur. Mais oui, du coup, il faut que je mette du... pause. Mettre la force. Enfin, force. Hop. C'est bon, je suis survécu ? Non. On m'a laissé tout seul. Bah écoutez. En attendant, on va en profiter. L'évêque tente de verrouiller le terminal. Hop, la force. Pour qu'il continue de plus fonctionner. De force. Et... force. C'est bon, je l'ai fait partout. Tac, 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 parfait. On est à combien? On est à 94, ça va en vrai. Une nouvelle couche de sécurité. Accéder au niveau. Alors, c'est pas par là du tout. Et donc du coup là, si je tue un mec avec ça, et bien j'ai moult énergie de grenade. Je peux donc créer moult grenades. Alors là par exemple je fais ça, et là, c'est parti. Je peux créer moult grenades. Exactement, c'est stylé. J'avais pas eu le temps d'utiliser cette armure exotique que je ne le devrais. Alors qu'en vrai, qu'est-ce que c'est stylé. Et là, il est déjà moitié rechargé mon mêlée. Putain. Qu'est-ce que ça va être avec Monte Carlo. Là, pour l'instant, il faut que je tire les. Allô, monsieur. Oh, j'arrive. Venez là. Voilà. Alors je l'ai un peu tué avant, mais je vous la donne celle-là. Oh, ça marche. Non, ça... Quoi? On m'a piqué mon passif. Le jeu m'a volé. Le jeu m'a complètement volé. Je voulais drop the base. Et le jeu m'a volé. Merde. Voilà. Ah merde, je suis au max de merde, c'est particulier. Fuck. Putain, sa merde. Alors, celle-là, il s'attendait pas. Alors, excusez-moi. Tac, tac, tac. Parfait. On est à combien d'ailleurs? Ça y est, on a fini ou pas? Je crois qu'on a fini, non d'ailleurs, le flingue. Oui! Let's go! Parfait. J'ai pas monté Carlo tout de suite. Et j'ai pas envie d'appeler Dim. Du coup, on va fusil automatique. Alors, où sont les gens? D'accord, ok. Très bien. Ah, mais il y en a qui. Oh, ça l'a pas tué, vas-y. La mère. Viens là. Hop là. Regardez-moi ça. Je vais si loin. Putain. Je suis en mode attends, mais je peux aller jusqu'où comme ça. Et je peux vraiment dash par l'arrière. Mais putain, mais c'est trop bien. Oh là là. Tellement stylé. Ah, décidément. Comment j'ai pu douter de l'arcane d'arcaniste. Vraiment la meilleure classe. Et meurt. Oh. Yeah. Oh putain, sa merde. J'avais pas vu. Ah putain. C'est ça le passif. Ça m'apprendra à pallier. Ça m'apprendra à pallier les passifs des armes exotiques en entier. Vous savez, c'est dur de dire, c'est pour ça que je joue pas Hearthstone. Hearthstone. Je sais pas comment est-ce qu'on dit en anglais. J'ai jamais entendu un anglais dire comment c'est le nom de ce jeu. Oh, je vais courir. What? Meurs. Hop. Voilà.
D'accord, on va en voir alors. Du coup. Ok. Allez. Oh putain, merde, viens là. Tiens, tiens. Ah, j'esquive. Oh, je prends les particules. Et c'est parfait. Fuck, je me suis fait empêcher de nuire. Meurs. 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 Et toi aussi d'ailleurs. Et ils font ça dans la grenade. Pour aucune raison. Dans les grenades d'ailleurs. Cette merde. Ouais. Oh alors là il y en a. Oh c'est mon moment. Ah, j'ai failli le raise, pas de chance. Malheureusement, la gravité n'a pas voulu. Elle a décidé de me faire me cogner contre le mur. En même temps, bon, j'ai pas été très sympa avec elle. Ni avec le mur d'ailleurs. Ah non, mais j'ai le saut avec l'impulsion, j'ai la flemme. Je joue avec le vélo sans les roues, les petites roulettes, donc j'ai un peu la flemme. C'est parti, au revoir. Mais pourquoi il y a plus. Ah bien, ouais, j'avoue. Bien, ouais, j'avoue, du coup. De rien, mec. De rien, l'extrême droite. Et un jour, on m'avait dit que j'allais me faire remercier par l'extrême droite. Ah merde. Heureusement que je dispose de. C'est moi. Hein. Yeah. Ok, parfait. Maintenant, vous voyez les. Allez, maintenant danser. Le gardien de ce domaine. Détruisez-le. Ok, c'est le moment. Il est parti où ce con? Il est là-bas. Donc ça y est, donc c'est bien une hydre maintenant, hein, bravo. On va donc affronter tous les boss Vex. Hein. Viens là, je t'ai dit meurs. Ok, j'aurais peut-être pu parier ça. Oui, c'est. Bah, reviens. Toi aussi, connard. Meurs. Non, je le prends. J'ai eu. Là, je vais le ramasser. Allez hop, petite galette des rois pour tout le monde. Fuck. Voilà. Oh fuck, un peu chiant ça quand même les gars. Allez, vite, hop, voilà. Maintenant c'est la guerre, la vraie. Voilà. Ah merde. J'ai pas le temps à chaque fois de. Le regarder. C'est bon, il est mort ou pas? J'arrive. Voilà. Grâce à moi. Putain, par contre. Hein. Le gardien doit faire plus d'incursions dans le réseau Vex. Parfait. Je peux le quitter, mais pas le suivre. C'est vrai. Envoyez les autres vers le danger en restant dans un endroit sûr. Voilà comment on commande les déchets. What the fuck, la vitesse. Assure notre survie. Bien vu ça.
C'est genre, ah ouais, tu restes derrière pendant que tes larbins font le sale boulot. Ah ah. Et l'autre il fait, non, ils ne vont pas mourir. D'accord. D'accord, c'est, ça n'a rien à voir. Et il faut que je reparle au serviteur symbiotique. Il n'est pas là, qui est immu. Voilà. Et pendant ce temps, je spam tab pour savoir ce que l'on veut de moi. Oh, un engramme exotique. Je demanderai, je regarderai ça de côté de mon titan. C'est tout ça, déjà. Autant débloquer des trucs que j'ai pas encore. Ça, c'est, ouais, c'est stylé, mais bon, ouais, bon, voilà. Incroyable, cette coque M3D1 a l'air stylée quand même. Celle-là elle est stylée. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que c'est que du bleu, non? Ouais, comme la Starak. Non, c'est une nouvelle Star. Fuck, elle est nulle. Bon, c'est parti. Aïe, je pensais que je pouvais dasher dans ce endroit-là, mais pas du tout. Habitants de la dernière cité, nous sommes gouvernés par un consensus. Oh putain, non. Une démocratie où le peuple a son mot à dire sur ce qu'il se passe dans sa cité. C'est du moins ce que nous pensions. Mais avez-vous accepté d'abriter une bande de dangereux déchus? Ces mêmes déchus qui depuis un siècle passent leur temps à nous piller, à assiéger nos cités et à détruire nos familles. Vous avez soudainement accepté de leur pardonner et de tout oublier. Non. Ikora Rey a décidé, sans l'accord du peuple, d'autoriser la maison de la lumière dans nos murs. Ce ne sont pas là des décisions dignes d'un leader démocratique. Elle prétend que ce Mitrax peut mettre fin à la malédiction des vices. Alors pourquoi ne l'a-t-il pas encore fait? Peut-être parce qu'il ne possède pas un tel pouvoir. Ou alors attend-il simplement le bon moment? J'ai jeté un œil à l'avenir grâce à la technologie des Vex et je n'ai vu que conflit et querelle avec les déchus. À moins qu'on ne change de direction immédiatement, le bain de sang est inévitable. Ouais, c'est bizarre. C'est vraiment... Peut-on vraiment se permettre d'utiliser nos ennemis pour taper d'autres ennemis? Deux secondes plus tard. J'ai vu dans la technologie des Vex que les déchus poseront un problème avec nous. Très très forte. Très très forte. L'extrême droite est décidément incroyable. Le serviteur bourdonne doucement et votre gantelette symbiote fait écho à sa tonalité. D'un port d'accès s'ouvre sur le serviteur et un mot unique apparaît sur un petit écran au-dessus. Amélioré. Vous alignez le gantelet avec le port et sentez qu'il se charge d'une étrange énergie. Au bout d'un moment, vous entendez une tonalité et le mot sur l'écran change « Retirer » comme la carte bancaire. Quand vous retirez votre gantelet et sentez une nouvelle énergie en lui, le mot change à nouveau « Effacement ». Utilisez le gantelet de symbiote pour participer à une mission d'effacement, sécurisez le réseau et effondrez-le derrière vous. Ah, casseur de code. Les vulnérabilités peuvent désormais être exploitées afin d'obtenir un accès plus profond dans le réseau Vex. Les missions effacement sont désormais disponibles. Génial! Effacement labyrinthe sur les comptes enchevêtrés. Bah génial, bah on va y aller. On va aller voir ce que c'est. D'abord, ça c'est 1307, c'est toujours de la merde. C'est bizarre, on a vraiment que de la merde. Hein. Non, ça c'est autre chose. 308. Pas mal ça. Fusil automatique. Alors, intensification. C'est de la merde. Ah! Ça pourrait être intéressant, mais malheureusement, c'est pas une bonne synergie parce qu'on veut détruire sa mère. Enfin, parce que c'est pas ça qu'on veut utiliser. En parlant de utiliser, du coup, on va prendre lui plutôt, je pense. Et en maintenant, c'est le moment de demander à Dim. Il est où ce con? Dim. Ah. Oh. Il est où Dim? Saloperie. J'ai vraiment fermé Dim. Incroyable. Alors que je pouvais le laisser tranquille. J'ai essayé de le fermer de manière complètement sauvage. Car oui, c'est le mot. Tac. Non, du coup, c'est pas comme ça que je cherche. Voilà, merci. Hop. Merci Dim.
Parfait. D'ailleurs, si je pouvais le monter jusqu'à 1310. Quoique. Ouais, non, 1310. La flemme. Ça termine nul. Voilà. La méthode Monte Carlo. Ça, c'est de la merde. Mais oui, 1310 déjà. Et 1306, c'est de la merde aussi. Ok, parfait. Bon, allez, à l'attaque. Mission effacement. Donc, il faut que ce soit... Il faut que ce soit la côte enchevêtrée, c'est ça? Ouais. Effacement labyrinthe. La liste des esprits subjugués Vex a révélé qu'un domaine labyrinthique du Nexus Vex dirigé par un puissant esprit oppresseur détruit ses esprits, tout le domaine s'effondrera. Ok, c'est parti. On a combien de temps de vidéo? On est à 40 minutes, on a le temps. Bien sûr qu'on a le temps. Vroom vroom. Alors là, du coup, on est censé avoir Monte Carlo qui nous permet de réduire le temps de récupération de l'attaque de mêlée tout en faisant en sorte que si on le fait, les grenades solaires vont donc frapper plus fort. Non, ça a duré. Et alors du coup, comment ça se fait que... Je suis persuadé que l'angle de lancement d'une grenade n'est pas comme ça, mais bref. Oula. Eh ben, donc. Ce n'est pas une simple simulation. Dans ce domaine, la mort est aussi réelle pour les Vex que pour vous. D'accord, ok. Bon, alors après, c'est pas vraiment réel pour nous parce qu'on est des gardiens, mais je comprends. Attends. Oui, on est d'accord que j'ai bien l'impulsion en premier. Oui, c'est ça, c'est l'impulsion initiale, on est d'accord, on peut être sûr. C'est parti! Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je rentre. Allô? Y'a quelqu'un? Amélioration funambule, bah génial. Ah. Ah, c'est bon. Coucou! Aïe. Attendez, parce que là on va pas m'avoir comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Allô? Quelqu'un? Ah, c'est là? C'est où? Ah, c'est là. Okay. Ah! Oula, ça doit être là, je crois. Aïe. Ça doit être là. Sa mère. Aïe, aïe. Aïe. Waouh! Attendez, parce que là, ça mérite un selfie incroyable. Alors, je vais peut-être le mettre, ouais, comme ça. C'est peut-être mieux comme ça. Bon, le selfie est toujours nerfé, hein, malheureusement. Mais au moins faire un F12. Voilà, un F12. Allô ? Du coup, je suis censé faire quoi ici ? Que ? Allô ? C'est assez chiant. Non, c'est pas là non plus. C'est là? Non. Là? C'est où? C'est là? Non, c'est pas là. C'est là? C'est là? Let's go! Ok. Bizarre tout ça. Hein. On va faire ça toute notre vie? Passe là. Non, y a rien là. Non, y a rien. Ok. Et là? C'est froid? C'est chaud? Et c'est au même endroit? Voilà. Voilà. Ah! Attendez, quoi? C'était pas là, ça? Si? C'était là. Okay. C'est là? Je suis sûr que c'est par là. Non, c'est pas par là. C'est là? Non, c'est pas par là. Pas là non plus? Ok, non. Là?
Non, ok. Là ? Si, ok. D'accord. On était pas déjà parlé, passé par là ? Je sais plus. Par là, faut que j'aille ? Non, y'a rien là. Putain. ouais, c'est. Super mission, dis donc ça. Scan des ressources mémorielles. Ah ! En gros, est-ce que t'es con, c'est ça, en gros ? Je crois que c'est ça qu'ils essaient de me dire. Ils essaient de me tester pour savoir si je suis con. Je crois que je le suis. Attendez, sauf que ça c'est par là ? Non. Gardien, les mecs ont senti votre présence dans le réseau et essaient de le purger. Ah ! Dépêchez-vous de rejoindre le domaine. D'accord, ok, ok, ok. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Poulet, c'est vex quand même un peu. LOL. Ouais, je t'ai un peu vu venir sur celle-là. C'est là ? Non, c'est par là, je crois. Ah ! C'était là, je crois. Faut que je fasse un truc là ? Oui. Aïe. Chez ! Alors, tu t'attendais pas à celle-là, hein ? Ah, je les ai eus. Vraiment, je passe. Et où est... Attends, par contre, je vais où? Ah! Non, je pensais que ça m'avait reset mon jump, mais non. Non, attendez. Je suis sûr que c'est par là, toujours. Fuck. J'y étais presque. Ok, non, c'est bien à droite, ok. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je réfléchis pas assez. Ok. Donc... Je peux aller là aussi en fait. Ok. Là je vais aller là. Parfait. Sauvegarde. Alors ça je m'y attendais pas par contre. Ah c'est bon. Je survis. C'est toi. T'as le merde. Sale merde. Putain. C'est bon. Ça y est, je peux t- aïe, je peux me battre. C'est bon. Un labyrinthe de conscience Vex, rendu visible. Ce doit être ici que les Vex conçoivent leur architecture avant de la transférer vers la réalité. Ah oh bah putain. C'est ça. Mon dieu. Putain, incroyable, mais imaginez si j'avais un minecart. Putain, mais j'ai l'impression de me retrouver dans une quête exotique de merde. Ah, c'est en bas. Là, décidément. Hein. Qu'est-ce que... Faut que je tire, là. Ah, bien vu, ça. Sacré Vex. Bonnard de Vex. Ah, alors là, on va s'amuser. Donc, c'est vraiment trois différentes, c'est ça, hein. Bon. Aïe! Pas très sympa ça, dis donc. C'est bon. C'est bon, tout va bien. Nous devons trouver comment traverser ce labyrinthe pour atteindre l'esprit oppresseur. Ah, l'esprit oppresseur, encore. Ah. Non, c'est bon, il s'est affamé. Oh quelle puissance! Oh quelle puissance! Gros, c'est la puissance! Oh bah bah oui, bah allez, sois pas content. Norton antivirus. Hein. Bonjour. Excuse-moi. Bonjour. 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 C'est bon? Ça c'est toujours pas visé, ne vous inquiétez pas. C'est aussi réalisé par des professionnels. Ok. Bonjour.
Excusez-moi. Hein. Parfait. Allez, ciao les bolos. Allez hop. Ah, bonjour. Voilà, ça explose partout. Aïe. Quoi? Mort de quoi? J'étais, je suis mort de quoi là? Ah, et je respawn dans la merde. Dans la merde Vex. Ah, mais il reste des gens. Excusez-moi, monsieur. Meurs. Tiens un peu là. Cringe. Ah, mais ils sont vraiment cringe en fait. Ah, c'est par là. Ah là. Ah merde, faut activer un truc. Ah oui, c'était mieux d'activer un truc, je crois. C'est bon. Bon, t'as... par contre, tu voyais. Hein. Ah, sale merde. Mais par contre, du coup, là, j'ai pas le, j'ai pas l'actualisation du. Voilà, sale merde. En vrai, je pense que je m'en sors là, non? Ouais. Je suis l'un des vôtres, les Vex. Regardez, j'ai une boule. Incume, d'ailleurs, je dis ça, mais. On a trouvé la suite, on a trouvé la fin du théorème. On avait la pyramide et le voyageur. Maintenant, on a les cubes Vex. Et ils ont aussi des boules. Donc je sais pas trop du coup. Ça vous le dit, on a aussi des carrés donc. Meurs. Ok, bonjour. Il a rien eu, il a rien eu, il a rien eu. Oh ça. Ça l'a un peu tué quand même cette arme de mêlée, mais bon. Je vous crois. Je vous fais confiance. Mes avis que, mais bon. Un cube. Ok. Bungie, vous êtes des inconscients. En me donnant une arme qui me permet de passer à la troisième personne, vous avez rendu toute cette phase de plateforme encore plus simple. Boum. Allô? Ça y est, c'est le combat. On va se fight. On a fight. L'esprit oppresseur émerge. Séparez-le de ce domaine. Ok. Comme ça. Excuse-moi, il y a un mec, il y a un truc derrière toi que je veux taper. Voilà. Faut que je. Oh, t'es encore. Ok. Tiens. Pourquoi je venais tiens aussi d'ailleurs. Alors attends deux secondes mon bro, hein, parce qu'en fait je pense que j'ai pas la meilleure arme pour taper. Alors il est où? Ah il est là, bonjour. Meurs. L'esprit oppresseur s'est protégé contre toute intrusion. Essayez de symbiotiser une conscience Vex dans le réseau pour briser ses défenses. Ah chiant. Putain, les gardes du Nexus. Ah, par contre, ça c'est pas très drôle. Tu vas se faire quoi avec ça d'ailleurs? T'as le merde. Non, c'est pas ça. C'est où? Oh, c'est là-bas! T'es pas sérieux, enfoiré? Oh, c'est la merde. C'est bon, c'est pas ils savent pas viser, ils savent pas viser. Est-ce que je fais l'auto-persuasion? Pas du tout. Gagné. Alors, viens là, sale merde. Non, j'ai rien dit en fait. Aïe, 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 aïe. Ok. Laissez-moi deux secondes déjà. Là, il y a des petits insolents là-bas.
J'utilise mes capacités de gamer pour viser très, très fort et très précisément. Afin de ne pas gaspiller des balles de snipe. Je crois que j'en ai marre. Ah, salut toi, ça va? Comment tu t'en sors? Sale merde! Ok. On attend, on attend, on attend. Je crois que ça va spawn maintenant. Ouais, voilà, parfait. Il me semblait. Ça, c'est la puissance. C'est la puissance. Ok, maintenant je descends. J'utilise mon pouvoir de téléportation, j'ai dit. Merci, ça me fait plaisir. Ok. Ah! Meurs! Sale oppresseur! Ok, fuck. Oh, je suis pas dans le bon endroit. Ouais, je suis pas dans le bon endroit. Fuck! Alors, bonjour. Ça les explose. Okay. Ça change les trucs. Oh putain, ton chiant. Ok. 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 Alors déjà, dis-moi monsieur. Hein. Putain, le premier dash a été entièrement bouffé par l'impulsion, rendant un truc assez simple complètement chiant. Regardez, ça change maintenant. Je le savais. Je dispose de la prédiction. C'est bon. Le don prédictif. Bonjour. Excusez-moi. Hein. Il va vraiment par là, ce chien. Mais t'es chiant en fait. Ok. Il ne me voit pas. C'est bon, je sais. Ah. Oh putain. Heureusement qu'ils sont sympas. Ah, ça, ça va pas être sympa. Si, c'est bon. Double dash. Tel le jeu vidéo. Bien sûr, exactement, c'est comme ça que ça aurait dû se passer. Allez, je suis fort au jeu vidéo, je sais appuyer, je sais tirer sur le rond blanc. Ah, vous êtes donc fini monsieur. Excusez-moi. Bien, bien, bien. Voilà, gagné. C'est pas sympa, c'est pas si dur en fait. Allez, Amistrax, génial. Merci mec, ça me fait super plaisir. L'esprit oppresseur qui commandait ce domaine n'existe plus. Maintenant, cette région du réseau Vex doit s'effondrer. La trame de la réalité recommence à retrouver son état précédent. Enfin, un vrai progrès. Voici comment on sauve notre peuple. En déchirant le voile de ténèbres que les Vex ont tendu sur la cité. Bien joué, Mitrax. Ok. Cette confrontation. Et un porteur de lumière sans gantelet de symbiote n'aurait jamais pu pénétrer dans ce domaine. C'est beau. Le gardien est un être d'union. Un passage entre deux maisons. Il est la preuve de ce qui peut être accompli quand des pièces séparées deviennent une seule machine. Comme le dit le Cal Zavala, nous sommes plus forts ensemble. Bien vu ça. C'est d'ailleurs le seul personne qui l'a dit dans l'histoire de l'humanité. Bref, allez, allons voir
Allons voir le Simu une dernière fois, je pense. Et voilà, ce sera peut-être la fin de cette quête. Alors, on a eu pas mal de conneries, hein. Ça c'est de la merde, hein, en gros. Donc bon, ça c'est de la merde aussi. Bon, c'était un peu nul, en termes de des récompenses, mais l'expérience était plutôt sympathique quand même. Donc, j'accepte. On va même avoir une cinématique. Regardez, cinématique. Non, ok, bon, pas de chance. Pas de chance. La terre. Et la cinématique. Non, en vrai, les cinématiques, ils le font que à la fin de... La fin de... Allez. Yeah. Bonjour. Vos pouvoirs contre les Vex augmentent, mais leurs attaques s'intensifient encore. Les symbiotes sacrés étudient les Vex. Nous nous déplaçons parmi eux comme dans des hautes herbes. Mais ceci, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Ils sont difficiles à suivre. Cela me frustre. Je vois les flux de données quand vous traversez leur espace. Mais je ne vois pas vers où ils vont. C'est comme si un brouillard sortait de l'eau glaciale. Ça pourrait être la douce voix de mon doute, ici, dans cette fausse nuit. Un Baudelaire. Ou ça pourrait être quelque chose de plus grand, jamais rencontré par aucun symbiote. Vous devez continuer de pénétrer leur réseau, de détruire ce que vous y trouvez. Chaque victoire coupe un des fils qui retiennent la nuit sans fin. Ouais. Les Vex vous enverront de puissants adversaires. Ne vous laissez pas impressionner. Restez sur la voie. Restez sur la voie. Le point commun entre Mistrax et la SNC. Bref. Mistrax vous dit qu'il a étudié les Vex et qu'il a compris les motivations du qui gouverne leur comportement. Explique pourquoi il trouve ces récentes actions déroutantes. Les Vex semblent se nourrir de vos pouvoirs. Ils font tout pour vous empêcher de devenir un symbiote. Il a l'impression qu'il y a quelque chose dans leur réseau qu'aucun symbiote n'avait encore vu. Il est vital que continuent à entrer dans leur domaine Vex pour saper leur réseau. D'après lui, les ennemis puissants vont émerger. Des ennemis puissants vont émerger du domaine Vex. Préparez-vous à les recevoir et d'ajouter restez sur la voie. Ouais. Et ben parfait. Quête voie du symbiote 3 terminée. Enfin. On a mis un peu plus de temps que la dernière fois. On a plus de trucs à se mettre sous la dent. Notamment l'extrême droite qui gagne en puissance. Mais bon, écoutez. Et on a des trucs à faire en plus. C'est que blabla là. Ok, parfait. Bon, et ben c'est la fin de cette vidéo, mesdames et messieres. On a donc terminé la voie du symbiote Dry. On a éliminé tous les boss de surcharge, ce qui fait qu'on va donc pouvoir commencer à la pouvoir faire la suite de tout bordel, hein, j'ai envie de dire. La suite de ce pass qui est donc se passer certainement dans les activités d'effondrement. C'était une nouvelle activité plutôt sympa. Bon, elle pourrait gagner un peu plus, pourrait donner un peu plus de récompenses, mais bon, c'est quand même vachement sympa. Un petit peu de plus de parkour dans Destiny. On en manquait un peu, lol. Du coup, ça fait plaisir. Bon, moi je vais vous laisser. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à le mettre. Waouh! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Oscur. Salut !